Le 30 décembre dernier, Gérard Jugnot était dans l'émission Camille et Images sur TF1. Certains internautes ont critiqué son comportement. L'occasion pour l'acteur de revenir sur ce passage télévisé et de dire tout le mal qu'il en pense. Gérard Jugnot est un des acteurs français les plus populaires et à 71 ans, il poursuit sa carrière aussi bien devant que derrière la caméra, comme le Petit Piaf, sorti dernièrement. Celui qui a débuté sur scène à l'âge de 9 ans ne se doutait pas qu'il serait la star de nombreux films cultes, des Bronzés font du ski, en passant par Les Choristes, Monsieur Batignolles, ou encore Pino Simple Flic. Gérard Jugnot fait le bonheur du public, mêlant comme il sait bien le faire l'humour à la tendresse et l'émotion, comme dans Meilleur Espoir Féminin. Il est aussi un comédien qui fait mouche dans les salles de théâtre comme dans Le Jour du Kiwi qu'il joue actuellement au théâtre Édouard VII avec son fils Arthur. Gérard Jugnot, heureux à la ville comme à la scène côté vie privée, Gérard Jugnot partage sa vie avec sa compagne, Patricia Campi. L'acteur l'a rencontrée sur le tournage du film Entre Amis d'Olivier Baron. De 30 ans sa cadette, elle file le parfait amour avec l'acteur depuis 6 ans. Ce dernier sait qu'il peut compter sur le soutien indéfectible de la juriste de profession. Vendredi 30 décembre dernier, sur le plateau de Camille et Images, Gérard Jugnot a été invité à suivre la rétrospective de l'année, aux côtés d'Adeline Tounayouti, Kev Adams, Max Boublil ou encore Camille Lelouch. Sa présence avait fait réagir certains internautes. Quelques internautes lui ont reproché d'être venu uniquement pour évoquer son actualité et l'ont trouvé un peu éteint. J'ai fait tellement de choses qu'à bout d'un moment, si est-il pas très grave Gérard Jugnot, je ne sais pas s'il se fait vraiment chier, mais en tout cas il bouffe du pop-corn, Gérard Jugnot qui ne dit pas un seul mot et bouffe du pop-corn durant toute l'émission, le seul vrai comique sur le plateau si est-il Gérard Jugnot et on se demande ce qu'il fait là. À part une promo, pouvait-on lire notamment. Pour France Bleu et l'émission Dans le rétro de Déborah Grunewald, l'acteur est revenu sur sa participation à l'émission animée par Camille Combal. On m'a dit, sur les réseaux sociaux, j'ai fait une émission avec Camille Combal où je me suis très fort ennuyé parce qu'il y avait trop de monde, j'entendais rien. J'ai mangé des pop-corn pendant tout le temps. Mais si vous voulez j'ai fait tellement de choses qu'à bout d'un moment, si est-il pas très grave, a relativisé celui à qui on a reproché d'être venu faire son service avant vente, en d'autres termes sa promotion. À lire aussi moi, au moins, je range ma loge, Arthur et Gérard Jugnot règlent leur compte dans Vivement Dimanche.